savoir tergiverser sur l'avenir de la planète. Il faudra bien se décider à passer aux choses concrètes. Accrochez-vous, car on devra, en suivant des lois draconiennes, remettre la Terre en état pour les générations qui viennent. Mais rassurez-vous, pas question de toucher la télévision. On nous dira de renoncer au confort de la vie moderne, et il faudra se contenter de l'éclairage à la lanterne. Pour faire des économies, on ressortira pêle-mêle de vieux appareils Decati fonctionnant à la manivelle. Mais il n'est bien sûr pas question de changer la télévision. Fini le pétrole à gogo, les vacances aux îles perpètes. Pour aller à notre boulot, on reprendra la bicyclette. Le litre d'eau sera coté parmi les valeurs de la bourse. Ceux qui ont des sous à placer investiront dans l'eau de source. Mais pour le train des restrictions, pas touche à la télévision. Pour résister aux ouragans dont la fréquence s'accélère, on logera dorénavant dans des appartements sous terre. Fini les jolis pavillons bien exposés à la lumière. On n'aura pour tout horizon que de sinistres murs de pierre. Par bonheur en compensation, on garde la télévision. Les avions ne voleront plus, ce qui aura pour avantage de supprimer les résidus de kérosène à leur passage. Des usines seront fermées et d'autres tourneront à vide. Tout ce qu'on nous fera manger sera gorgé de pesticides. Mais il n'est toujours pas question de fermer la télévision. Afin d'éviter tout cela, il serait temps qu'on se réveille, qu'on oublie le chacun pour soi, mais ça n'est pas demain la veille. Alors il ne nous reste plus pour échapper à la débâcle que de miser sur la venue du Père Noël ou d'un miracle. Événement que nous suivrons, bien sûr, à la télévision. Mais sa retransmission, c'est risquer la révolution.